tu peux avoir Batman, il y a plein de trucs. Bah, je pense sympa. Et y a pas une option pour se mettre à la vue à la troisième personne? Pour l'instant, non. D'accord. Bienvenue les petits amis, aujourd'hui je vous propose une séquence en live, ça n'arrive pas souvent. Je suis avec mes petits amis québécois Peter Hunter et Vortex sur Garry's Mod, sur un univers de jeu roleplay, une sorte d'Altis Life ou de Island Life, mais façon Garry's Mod, donc ça promet un grand n'importe quoi. Je vous mets les informations nécessaires pour y jouer dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Garry's Mod, il s'agit d'un jeu très très peu cher qui permet aux joueurs de créer leurs propres cartes, leur propre gameplay. Avoir acheté Garry's Mod et avoir téléchargé gratuitement les fichiers de ce mod sont les seuls impératifs pour pouvoir jouer à RP Downtown. Voici une sélection des meilleurs moments. Regarde, tu vois le mot? Ouais. Ninja. Ferme les murs vraiment plat, là je vais te montrer. Là je vais te montrer ici. Je te suis. Là tu vois les deux murs collés comme ça. C'est vraiment pratique pour sortir de la police. Effectivement, c'est sympa, ouais. Par contre, tu prends pas de dégâts en tombant comme ça? Ah, ça dépend pas des hauteurs, sinon je prends pas de dégâts de chute. Ben, même s'ils sortent du bâtiment le plus haut du jeu, en fait... RP Downtown vous transporte dans une ville où il se passe toujours quelque chose, dans laquelle vous pouvez exercer un grand nombre de métiers, qu'ils soient légaux ou illégaux, surveillés par la police, le FBI et même Batman. Vous pouvez posséder une maison, une voiture, etc. Accessible. Ouf, regarde, je pense qu'il y a une base là-bas. Oh la vache. Il y a une base qui est là-bas? Ah, ouais. Regarde. Ah oui. Après chauffer. Et c'est quoi une base? Dans le fond, c'est des rebelles ou... D'accord. Bon, qui se cachent dans la police puis font leur truc illégal à l'intérieur. C'est un bâtiment bizarre. Enfin, c'est un design bizarre pour une base. Ah, je sais, c'est juste une couleur ou est-ce qu'on peut pas voir de l'extérieur? Alors, car dealer. Et donc pour entrer dans une voiture, c'est Shift E, tu m'as dit. Ah non, ça c'est juste pour qu'est-ce qui est compté, pas comme une voiture. D'accord. Non, c'est comme pour une porte. Ok, je suis dedans. Par contre, il y a une grosse barre rouge, véhicule heal. On fait ça comme ça. Attendez-moi. Vous m'avez pas entendu, je vous attends dans le car-shop. Ça l'a cassé. Oui, c'est, ça a l'air de laguer pas mal. T'es tout ce côté légal ou légal? Ah, oh, illégal, mais t'es où? Tu sais que t'es joli quand même. Bon, ton corps va pas avec ta voix, mais t'es relativement joli. Ah ouais, en fait. Ouais, c'est ce qu'il y a. Mais qu'est-ce que tu fais sur mes genoux, toi? Attends, il est couché sur mes genoux. Ouais, si tu allais, on va. Ah, ok, non. Ah, là, ça... Par contre, tes pieds sont à l'extérieur de la voiture, tu risques de te faire mal, je te préviens tout de suite. Ok, non, c'est X, X pour parler, Raoul. D'accord, ok. Ah oui, c'est X, c'est vrai, c'est la CSGO, c'est que je suis con. C'est pour ça que ça me mettait le message, vous n'avez... Enfin, personne ne peut vous entendre, tout ça. Oh le bordel. Attention. Que tu le connais, putain, tu vois. Eh, ça lag. J'avoue que les pieds sortent à l'extérieur. Ouais, bah, soit ça lag beaucoup, soit tu sais pas conduire. Ah, fuck, c'est j'en entends un peu drôle. Je suis quand même assez choqué par Vortex qui est couché sur mes genoux, hein. Ouais, bah c'est normal. T'inquiète pas, je fais pas mal. Ah, en plus, que t'as les pieds après avoir de la peau. Ouais, bah ça c'est normal aussi. Oh, ça lag, c'est un joueur. Bah ça va, tu cognes au mur, mais ton véhicule reste toujours à 200 de vie. Ah, quelque chose, c'est trop peu. Ça m'a pas l'air très grand quand même comme carte. Ah, c'est pas la plus grande. Ah, il y a plusieurs cartes. Ah, ouais. D'accord. Ah, oh, vous sortez les amis. Voilà, j'atterris sur le toit de la voiture. Ah, comment Allez, ça, peut-être que je peux pas voler mon chat. Non, c'est bon, tu peux barrer tes portes. On va quoi dans le champ?
Ouais, je suis correct, mais c'est quoi, j'étais assis sur les genoux, fait que théoriquement, je suis pas dans la voiture. Théoriquement, je suis dans le bâtiment en ce moment. Alors, moi, je suis accroché au mur d'en face, au-dessus de la voiture, avec l'impossibilité de bouger. Ah, oh, son véhicule, il va exploser. Oui. Ouais, je peux plus rien faire. On va voir d'où ça. Essaye voir de débarrer ta voiture. Ah, oh, ok, t'es bugué là, toi. Ah oui. Allez, wow. Essaye. Bah non, j'arrive pas à rentrer dans la voiture. Attends, je vais pas la lendemain. Bon, sinon je me découvre au cours. Non, 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 parce que... Non, t'inquiète, pour venir. La lag. Philippe Couillard. Joli nom. De quoi c'est pas beau, hein. De quoi ça? Bah la... décor en général. Ah, ce sont ces guerres. Merci. Alors j'ai pas compris tout ce qu'il m'a dit, mais... Ah, ça c'est les admins, c'est normal qu'ils volent. Oui, oui, mais en fait... Ah, pas seulement de ça. Oh, la pute. Pour moi, petite bitch. Oui, la pute qui m'a fait dessus. Ah, vous laissez les admins dans leur délire. Oui, 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 on va se protéger dans la maison, puisque... Oh, ça a des beaux... Quoi que vous fassiez dans RP Downtown, vous gagnez un petit salaire régulièrement. Si vous voulez gagner plus et que vous n'avez pas peur des descentes de police, vous pouvez acheter des printers, des imprimantes à billets de banque qui vous rapportent pas mal en peu de temps. Attention toutefois car ces engins sont instables et peuvent exploser. Tout qui vend de la drogue. Oh. Un rouvre la porte Vortex là qui est pas du trop haut. Ya 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 ya. Voilà. Hop. Merci. Ah oui, ça peut te gros le long. Ouais, Raoul, profite-en, fais F4. Ouais. Et va dans Missilinus. Missilanus. Ouais. Jette-toi le Emerald et le Amethyst. Marche. Et Amethyst. Voilà. D'accord, je vais mettre un micro. Comment? Ouais, faut que la job. J'ai la job. Ah. Ouais, F4, Missilinus. Ah, c'est bon. Ah là, est-ce qu'il y a votre radio sur Game Voice? Non. Comment on fait pour faire non, tourner les machins, les gars? Non, lui, il marche pas comme ça. Attends, passe-moi là. Ouais, faut y aller à l'arrache, quoi. Voilà. Impeccable, merci. Attends. Tu les veux empiler comme moi ou... Oh non, c'est très bien, je suis adepte du bordel. D'accord, attends. Moi c'est parce que c'est pas à cause de ça, c'est rien que. C'est beaucoup plus rapide. Non, on entend ça. Bon, ça lag, mais on entend. Alors, parle-donc à la radio. Ah, quand je trouve des trucs à micro. Y'a pas. Ah, c'est foutu shot dessus. Bah, moi je change de métier. Ah, d'abord, c'est bon, d'accord. Lorsque vous changez de métier, ouais. Votre personnage prend l'apparence du métier choisi. Exactement. Ah, je te fais quelque chose d'extrêmement génial, gros. Tu es devenu barmaid, ouais. On va picoler. J'ai déjà réussi à faire prendre la drogue à Batman. J'ai entendu drogue et Batman, t'as dit quoi? C'est, tu sais, les trucs qui vont pas ensemble, c'est. Ouais, c'est là qu'on l'entend mieux. Mais en fait, Batman, c'est censé être avec la police. Si Batman, tu réussis à... Ah, tu bug. En fait, Batman, ce qu'il fait, lui, c'est vraiment un métier de policier. En fait, il va se promener en volant. Mm-hmm. Puis lui, il va voir le mal. S'il y a du mal, bah, il va faire ses techniques de ninja, puis il va abattre tout le monde, tu comprends? D'accord. Donc, un peu cheaté comme métier, mais bon, ça fait l'affaire. Après ça, t'as Batman, lui en fait, si tu réussis à lui donner de la drogue et tout pour le faire consommer et tout,
Ce qui est totalement rare, il peut toujours. Hein. Parce que je veux dire, il faut quand même rester dans l'RP. Hein. Je veux dire que qui tente à rien, jamais rien. Puis en fait, le mec l'a forcé, ben, Charles l'a forcé, et ben, il a réussi à le droguer. Donc en fait, voilà. Donc, comme s'il venait de droguer un policier, encore plus haut gradé. Oula. Par contre, j'ai pris. Les policiers. Je crois que j'ai volé 4 500 $ de ton truc. Vous cachez des printers? Oh oh. Pourquoi il faut cacher les printers? Merde, je sais pas si juste pour venir t'aider pour cacher le printer. Oh oh. Attends, je vais être devant pendant ce petit. C'est interdit les printers? Oui, bah c'est illégal. En fait, c'est en vraie vie, en fait, c'est comme quelqu'un que chez lui, il est bourré de machines à imprimer de l'argent. D'accord, ok, je comprends, ouais. En fait, imprimante, c'est la salle de... Par contre, faut vraiment que le policier soit con pour pouvoir voir les printers sous les, sous les sièges, quoi. Non, c'est juste gros, parce que j'ai encore des flips, donc c'est gros. Par contre, du coup, je t'ai piqué 4500... Non, c'est pas grave. Voilà. Bien joué, Katasei, c'est ça, c'est. Oula. Hein, oh. Après ça. D'accord, il y a un LSD dedans. Ça c'est. Ok. Je te conseille la LSD en premier. C'est E pour consommer. Oh non, non, et bon Dieu, donne-lui pas d'air. T'as plus. Ouais. Ouh. Fred. Oui. Si tu vois une seringue qui est marquée héroïne, consomme-la pas. Pourquoi? Ça fait quoi? Je le dis comme ça, j'ai envie de la consommer du coup. Tu meurs. D'accord, ok. Ouais. Sachant que la consommation de drogue, évidemment, est dangereuse pour exactement. En tout cas, quand la frère. C'est assez groovy le. Là, c'est comme dans Mario Kart. Oh la vache, quoi. Ouais. Là, il faut mettre de la musique techno par-dessus. Aspirine, non, parce que tu vas mourir, putain, donc ça fait rien. Et du coup, ça dure longtemps l'effet là? Je pense pas, je pense juste un petit 2 minutes. Ouais. Alors de la bière. Ah, bah la bière, ça m'a supprimé tout l'effet de. Du LSD, par contre, je vois tout flou. Putain, une bière et je suis dans cet état là, waouh! Oh, 100 cigarettes que j'ai sorti. Oh, pas un petit peu trop. Alors, cigarettes, ouais. Are you smoke? C'est cool. Et ça, la police, elle peut pas voir qu'on prend du LSD chez soi, tout ça. Qu'elle a une vraie preuve. D'accord. Même si je suis vendeur de drogue, je peux pas m'arrêter juste comme ça, puis qu'elle vient de fouiller à la maison, puis ça trouve rien, elle peut nous arrêter. D'accord, et c'est autorisé de fumer des cigarettes normales? Parce que oui. Ah, quoi, je t'en fous? What the fuck? C'est quoi? Ah, je t'en fous! Bon? Ah, quoi, je t'ai pas de moi? Bah, je te vois pas en feu, moi. Mais pourquoi je vois du feu sur moi? T'as peut-être. Ouais, je pense que. J'ai dire, t'as le cul en feu, mais. On est quoi? Des bons montants d'argent? Ah oui, pas mal. Ah, mais Raoul, tu peux pas t'en acheter d'autres, toi? Pas juste ça à la fois, quoi. Ouais, tu peux t'acheter un Amethyst, puis. Je découvre. Ouais. Non, mais c'est à cause que Charles te l'avait pas dit, mais ils sont pas chers, puis ils remportent beaucoup d'argent aussi. C'est quoi ça? C'est un Pokémon. Caméra. En fait, je vais te faire une petite démonstration en fait. Avec cet objet qui s'appelle le keypad, tu peux faire des matériaux spéciaux. Tu peux, mettons, comme ton divin ici, ce sera pas long, je vais te faire un exemple. Attention, je vais faire prendre un petit objet. Comme ça. Regarde, on va changer de couleur. Ouais, ça. Ça, bah, voilà. Plouk. Tu comprends? Ouais, d'accord. Donc, je peux changer. Par exemple, ne mets pas ça sur la voiture. Ça, par exemple, faut pas mettre ça sur la voiture. Ça, sinon, tu peux te faire prendre. Moi, par exemple, c'est un matériau spécial que je pense pas que t'as accès. Mais bon. Attends, bouge pas, Peter.
Ouais, sauf par exemple, tu peux pas colorier les autres personnes. Je regardais juste la vue un petit instant. Ah, ouais. Oh, petit pervers. Ah, bah oui. Ouais, bouge pas. Attends, il y a tellement de monde au balcon qu'il faut en profiter. Ouais, on lève un peu la jupe, s'il vous plaît. Appuyez Alt E pour t'asseoir, vous allez devant. Alt puis E en même temps, voilà. On va attendre que le policier revienne, ça va être gros. Bon, on voit ta petite culotte. Chaleur. Attendez monsieur, je fais mon travail. Quel travail? Que puis-je faire pour vous, monsieur? Faites le 1 pour appeler personne. Je voudrais porter plainte. Ah, parce que vous êtes dans le caca. Je voudrais porter plainte. Alors, je n'ai pas entendu votre réponse. L'une de ces deux personnes m'a volé ma culotte. J'ai répété, je n'ai pas entendu votre réponse. L'une de ces deux personnes m'a volé ma culotte. Je voudrais porter plainte. Réponds-toi. Fais 2, pensez le chiffre. Ah, non, c'est pas ma faute. Fais 3. Mon caca. Il est compliqué, lui, il me fait saigner du nez, quoi. 1 ou 2 ou 3. Non, non, c'est pas fort. Non, c'est pas dans son délire. Tant pis. Bon, bref, vous l'aurez compris, RP Downtown, c'est le royaume du grand n'importe quoi. Malheureusement, ça lague beaucoup et ça empêche parfois de faire réellement ce qu'on a envie de faire. Mais malgré tout, avec de bons amis, on s'y amuse beaucoup. Je vous conseille de l'essayer si vous avez Garry's Mod installé. Les petits amis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un autre jeu. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.